Thank you.
Voilà! Bonjour! Et voilà, je vais recommencer à parler. Du coup, on commence avec des problèmes techniques. Donc, en dehors du fait que je n'avais pas ouvert mon micro, il semblerait que j'ai quelques petits soucis comment dire, de réseau. Donc, il y a un petit peu de lag. Et maintenant, je n'arrive pas à ouvrir mon PDF de questions que j'avais préparé. Tout va bien. Mais tout va bien aller, tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Parfait. On m'a dit que je dois vous dire bonjour. Donc bonjour, voilà. J'espère que tout le monde va bien. La plupart des gens qui sont là ce soir étaient déjà là la fois dernière, donc j'espère que ça ira. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'espère que ceux qui sont dans votre équipe qui étaient là vont vous expliquer correctement comment ça fonctionne. Le temps que mon PDF se lance, si un jour il daigne le faire, je vais lire la composition des équipes. Nous avons ce soir les grands gagnants de la fois dernière, les Speculoos, avec Mad, G.I. Joanna, Pink Side Out, Gaufrette et No Wheels Strong Bottom. Nous avons les roues libres avec Los Angeles, L'Enroule, The Beat et C'est quand même haut. Nous avons les Ents avec O'Gara, Lulu,
Bat Smash, Left 4 Dead. Nous avons les RL avec Eureka Street, Blitzkrieg, Blitz et Zoé la Flamande. Nous avons les huîtres avec Cutie Shark, Nana Whoop, Blue Velvet et Spaddy. Mais non, il y a ce truc qui ne s'ouvre pas. Quoi? Non. C'est pas grave. Alors, il y a un petit changement par rapport à la fois dernière. Donc la dernière fois, il y avait quelques soucis, notamment dus au lag de la présentation, qui faisait que les équipes étaient un peu désavantagées au niveau des réponses, parce que c'était les premières équipes ayant répondu qui avaient fait le plus de points. Donc ici, on a un petit peu changé et a priori, les bonnes réponses auront toutes des points. Je vais juste vous remettre le quiz 5 minutes, non, un petit peu moins, 30 secondes, juste le temps d'installer mes questions qui ont plus ou moins bien voulu s'allumer. Ah oui, ça j'aurais dû dire. Tu peux quand même. C'est pas vrai. Je vous promets pour les personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, ça se passe bien. Ça va bien se passer. Donc je disais que je disais que en fait, j'essayais de mettre les slides, mais qu'au final, ce sont uniquement, elles sont uniquement là pour l'illustration et au final on n'en a pas besoin, donc on peut faire avec les questions sans et c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer par dire bonjour aux modérateurs de ce soir qui vont être gentiment là pour compter vos points. Donc vous pouvez dire bonjour à Chaff et Knappy que nous voyons ici. Bonjour.
On va vous voir, oui. Voilà. Bon, j'espère du coup que tout ne va pas exploser parce que j'ai préparé des nouveaux trucs au niveau du logiciel de stream. On va voir si ça va bien marcher. Ok, bon, on va directement commencer vu qu'on a déjà pris 20 minutes de retard. Toutes mes excuses, vraiment, vraiment désolée. Alors, on va commencer et toutes les bonnes réponses, vous aurez 30 secondes pour répondre à la question et toutes les bonnes réponses recevront 3 points. Allez, on va commencer donc. C'est une question littérature. Dans la série Harry Potter, combien d'enfants compte la famille Weasley? Et voilà, c'est terminé. Donc, la réponse était 7. Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron et Ginny. Alors, les huit robots. Ah non, les Ents ont bon, les spéculoos aussi, et les roues libres, c'était trop tard. Alors, il y a plein de mauvaises réponses. Sachez que moi, c'est toujours Percy que j'oublie. Je me souviens toujours qu'il y en a deux avant. Puis il y a Fred, George, Ron et Ginny, mais Percy, je l'oublie tout le temps. Voilà. Alors. Le total ne marche pas, Christophe. Ah, ok, d'accord. Je ne me tracasse pas. Ok. Alors, la deuxième question, c'est une question musique. Et c'est une question dont le type de réponse est une seule. C'est-à-dire que votre équipe peut répondre autant de réponses qu'elle veut. Mais attention, ce sera uniquement la dernière qui sera prise en compte au bout des 30 secondes. Donc, la question est, à ce jour, combien d'albums ont sorti les Sex Pistols? Parce que c'est passé avec nous. Oui, tout le monde a faux, je sais, mais je ne sais pas pourquoi moi. Ah voilà. Bon, tout le monde a faux. Alors, c'est un truc un petit peu étonnant, mais à ce jour, les Sex Pistols ont sorti un et un seul album. En fait, ils ont sorti un album qui s'appelait Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols. En gros, les Sex Pistols étaient un groupe. Et puis après, il y a l'autre dont je viens d'oublier le nom qui est arrivé. Et il a donné de la popularité au groupe, mais en fait, c'était un gros jeune toxico et il est mort. Et puis le groupe a explosé. Et donc, en fait, ils n'ont sorti qu'un album. Donc voilà. Ok.
Alors, la troisième question est une question pop. Oui, voilà, c'était Sid Vicious. Merci beaucoup. La troisième question est une question pop. Dans la série Les Animaniacs, quels sont les trois membres de la famille des Animaniacs? Ça cogite. On a une bonne réponse pour les spéculoos. Et c'est terminé. Donc, la bonne réponse, c'était Yako, Wako et Dot. Et donc, c'est une bonne réponse de la part des spéculoos et des Erelles. Donc, pour ceux qui ne se connaîtraient pas, mais donc les sœurs, la fratrie Warner, c'est Yako, Wako et Dot qui ont. C'est une série qui a été créée au début de l'âge d'or de l'animation américaine. Ce sont des héros de cartoon loufoques qui s'avèrent rapidement être incontrôlables et qu'on enferme dans le château d'eau de la Warner Bros. Alors, la prochaine question, c'est une question histoire. Secondes pour réfléchir et me dire à l'époque romaine quelle ville portait le nom de Massalia? Pas mal de bonnes réponses, les RL. Oula, 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 oula. Est-ce que tout le monde n'aurait pas la bonne réponse? Oui. Si vous savez, c'est. Pourquoi est-ce que mon chrono s'est relancé? Oui, je sais. Est-ce que tout le monde a bon? Tout le monde a bon, félicitations. J'ai trouvé pourquoi mon truc se répétait, donc ça n'arrivera plus, c'est merveilleux. On me dit dans l'oreillette qu'on vous demande de choisir une personne pour répondre, histoire de ne pas recevoir 10 fois la même réponse de la part de la même équipe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Notamment les spéculoos, me dit-on. Alors, maintenant, ça va être un nouveau type de question auquel j'ai prêté beaucoup d'attention. Alors, vous allez avoir 1 minute. On va voir si ça va suffire ou si 30 secondes suffiront, sinon il faudra 1 minute. Pour deviner la question, la chanson, pardon, que j'ai devant les yeux. Alors, cette chanson, je vais lire les paroles en français. À la base, ce n'est pas une chanson en français. Donc, je vais lire les paroles et au bout d'un moment, je vais commencer à lire les paroles avec l'air de la musique pour vous aider un petit peu parce que je me rends bien compte que ça va peut-être être compliqué. Alors, attention. Alors, vous devez donner le titre et l'interprète et c'est donc, on va dire que c'est 2 points par bonne réponse. Donc, 2 points pour le titre et 2 points pour l'interprète. Attention, c'est parti. Je regarde autour et la ville du péché est froide et vide. Oh, personne autour pour me juger. Oh, je ne peux pas voir clairement quand tu es parti. Et je dis, oh, je suis aveuglé par les lumières. Non, je ne peux pas dormir avant de sentir ton toucher. Et je dis, oh,
Je me noie dans la nuit. Et quand je suis comme ça, tu es celui à qui j'en fais confiance. Je manque de temps, car je peux voir la lumière du soleil dans le ciel. Donc je me mets en route et je conduis, bébé, oh. La ville est froide et vide, oh. Personne autour pour me juger, oh. Je ne peux pas voir clairement quand tu es parti. Et je dis, oh, je suis aveuglée par les lumières. Non, je ne peux pas dormir avant de te sentir toucher. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette petite performance. Félicitations aux Zérels qui ont trouvé très vite. Au niveau des modos, j'espère que vous n'avez pas mis les bonnes réponses avant que tout le monde ait trouvé, j'espère. Donc c'était bien Blinding Lights de The Weeknd. Donc félicitations aux Zérels, aux Spéculoos, aux huîtres. Alors les roues libres, je ne sais pas si vous... Il y a juste les Ents qui n'ont pas trouvé. Pourtant, j'ai pensé à vous alors que vous étiez... Merci Anne, aveuglée par les lumières. Merci Zoé. C'est beaucoup trop émouvant en français, de fait. Ok. Alors, on va passer à une type de question que vous avez beaucoup appréciée la dernière fois. C'était les personnages déformés. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé la fois dernière, il va y avoir ici une photo déformée d'un personnage et vous avez 1 minute pour trouver qui c'est. Alors, qui est cette personne? Oui, il faut bien 1 minute parce que la dernière fois. Non, c'était ni Christophe Goffard, ni Jean, ni Leonardo DiCaprio. Ah, les Spéculoos ont trouvé. Félicitations. Ce n'est pas Bono ni Nicolas Cage. Non, ce n'est pas Schaff. C'est pas Schaff, non. C'est pas David Hallyday ni l'autre, là. Non. Non, faut pas mettre les bonnes réponses à les modos. Ah, ah non, elle s'affiche pas. Ok, excusez-moi, excusez-moi. C'est pas le mec de Breaking Bad, désolé. Non, excusez-moi. Je me suis excitée sur les modérateurs alors que ça n'avait rien à voir. C'est très bien. Alors, c'était Gary Oldman. Donc voilà, c'est l'acteur Gary Oldman. C'est un de mes acteurs préférés. C'est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique né le 21 mars 1958. Et donc, il interprète notamment l'inspecteur dans Batman. Il joue dans Léon, il joue dans Le Cinquième Élément et il joue aussi Sirius Black. Oui, je profite de ce quiz pour vous faire connaître un petit peu plus de ma vie. Alors, on va passer à la question. Suivante. Trop difficile, oui, désolé. Schaff dit, on aurait dû mettre Sylvie Vartan, pardon. Alors, la question suivante est une question avec une réponse de type une seule. Donc, ça veut dire que vous mettez autant de réponses que vous voulez, mais seule la dernière au moment de la fin du chrono vaudra le coup. Donc, concertez-vous, vous avez le temps. Et les modérateurs ne vous mettront pas si vos réponses sont bonnes ou pas. La question est, au niveau de la Chine, combien a-t-on de time zones sur tout l'espace de la Chine? Donc, les time zones, ce sont les tranches, en sont divisées, la planète. Qui font qu'il y a du décalage horaire. Et donc, combien a-t-on de time zones sur la Chine, qui est un pays assez large au niveau de
la planète Terre. Et c'est terminé. Alors, on a une bonne réponse de la part des roues libres. Et apparemment, juste les roues libres. Eh bien, c'était une seule. Voilà, c'est un peu étonnant, mais c'était une seule, car c'est... Je ne sais pas, les huîtres étaient un peu sur le fil, ça... Ok. On va prendre les huîtres aussi, c'est peut-être dû au décalage. Donc oui, je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'est juste sûrement un choix du pays. Et la Chine est donc en UTC plus 8, alors qu'au final, le territoire de la Chine s'étend sur 5 time zones géographiques au niveau des pays qui sont en dessous, au-dessus. Voilà. Alors, la prochaine question est une question audio. Donc, vous pouvez monter le son si vous avez juste le son en faux. Alors, écoutez bien ce jingle et dites-moi de quelle série est ce générique? Police. Oui, 127, j'écoute. J'espère que vous allez. Pas police. Ça aurait été un peu facile. Ah, bravo les aides. Bravo les RL. Eh bien, non, oh non. Non, c'est pas Rexien Flic et c'est pas Navarro ni Derry. N'essayez pas de les mettre tous. Voilà, ok, les spéculoos sont bons sur le fil, c'était bien Julie Lescaut. Donc les Ents, les RL et les spéculoos ont trouvé Julie Lescaut. Et donc, comme ça, vous aurez encore une petite info sur ma vie. Tous les jeudis, je regardais Le Policier sur la RTBF avec mes parents, c'était génial et j'étais fan de Julie Lescaut. Mais mes préférés étaient quand même les Cordiers jugés flics. Alors, on était donc à la question 8 et à la question 10, on fera un petit topo sur les coins, sur les points. Ah, c'est grâce à notre maman, ça, disent les Dubé. Je suppose que maman Dubé regardait Julie Lescaut le jeudi également. Une femme de goût, hein, de fait. Alors, la question 9 est une question, qui suis-je? Un indice chez vous. Donc, je vais décrire une personne et vous allez avoir une minute pour trouver qui c'est. Attention, qui suis-je? Mon prénom est Magdalena. Je suis née le 6 juillet 1907 au Mexique. J'ai une santé fragile. Je souffre de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans, ce qui me vaudra le surnom de la boiteuse. Puis je suis victime d'un grave accident de bus, pas de bol. Je devrais subir de nombreuses interventions chirurgicales. Je me forme moi-même à la peinture après mon accident. En novembre 1930, j'emménage à San Francisco avec mon mari, peintre lui aussi. Mon œuvre comporte 143 tableaux, très souvent de petit format, un certain nombre ayant été peints alors que j'étais alitée, dont 55 autoportraits, parce que j'arrivais pas trop à bouger vu que j'étais au lit. Mes autoportraits témoignent souvent de ma souffrance physique et morale. Mes toiles sont empreintes de culture mexicaine, tenues traditionnelles, bijoux locaux, portraits indigènes. Et on a pas mal de bonnes réponses, hein? C'est fini. Alors, ce n'est pas Rita Kahlo, c'est Frida Kahlo. Tout le monde a trouvé?
tout le monde a trouvé. On nous indique que c'est Blitz qui a trouvé Julie Lescaut. Merci Blitz. Ok. Tout le monde a trouvé Frida Kahlo. Oui, non, en fait, son prénom n'est pas Frida. En fait, elle s'appelle Magdalena Frida. Bien vu, les RL. Bien vu. Une question assez rapide, hein, si vous connaissez la réponse. Dans le film Matrix, quelle est la couleur de la pilule que prend Neo? On se souvient, il y a... Oui. On espère que ça va vite, me dit-on. Bravo les Ents. Non, mais non, non! Oui, c'est une question normale, mais à partir du moment où tu sais que dans la scène, il n'y a que deux trucs, si tu leur dis que c'est faux, a priori. Oui, mais en l'occurrence. Alors, du coup, oui, voilà, parce que genre, les roues libres et les huîtres, on dit roues bleues, mais oui, de fait, c'était ma faute, j'aurais dû mettre une seule bonne réponse. Du coup, à peu près tout le monde a raison ici. La réponse était donc rouge. Je ne suis pas sûre que les roues libres et les huîtres méritent leur point, vu qu'ils ont d'abord dit bleu et puis rouge. Hein, mais... Donc, on se rappelle que dans le film Matrix, Neo se voit offrir deux options, soit de prendre la pilule bleue où il reste prisonnier, mais... Tout se passe bien parce que c'est plutôt cool. Soit il prend la pilule rouge et il va dans la réalité, mais on se souvient que c'est pas top top. Hein, voilà. Alors, messieurs, mesdames et messieurs, les modérateurs, est-ce que les scores sont à jour? Ok, alors, petite vision sur les scores. Les scores ne sont pas à jour sur mon écran. Voyons. Voyons, je regarde mon truc. Attendez, attendez. Rafraîchir, ok. Non, non, mon truc n'est pas rafraîchi, j'espère. Ça ne fonctionne pas. C'est super. Pourtant, dans mes options, il m'y... Bon, c'est pas grave, je vais rafraîchir ici et je vais dire tout haut. C'est dommage, ça marchait tellement bien la dernière fois. Excusez-moi. Ah voilà. Donc on a les spéculoos avec 25 points encore en tête. Les RL avec 19 points. Les Ents avec 18 points. Ensuite les huîtres et les roues libres à égalité avec 16 points. Félicitations aux spéculoos qui gardent la tête. Attention, ce sont eux qui ont déjà gagné la dernière fois, donc n'hésitez pas à les battre à plate couture. Je vais. Non. Oui, ça va, ça va. Bon, tant pis pour les scores. Alors, la prochaine question, c'est une question science. Alors, quel est le nom du test psychologique de personnalité et d'émotion basé sur les taches d'encre?
Ok, donc on a pas mal de bonnes réponses. Apparemment, on a toutes les bonnes réponses. Félicitations, c'était bien le test de Rorschach. C'est un test ou psychodiagnostic. C'est un outil de l'évaluation psychologique de type projectif élaboré par le psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. Il consiste en une série de planches graphiques représentant des tâches symétriques, a priori non figuratives, qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Analysées par la personne administrant le test, les réponses fournies servent à évaluer la personnalité du sujet. Le test n'a fait aucune preuve de son efficacité et que, comme tel, l'utilisation de ce test a presque disparu de la recherche scientifique en psychologie ou en psychiatrie. Voilà. Alors, pour la prochaine question, c'est une question derby et c'est une question au plus proche. Donc, vous allez avoir 30 secondes. Vous mettez le nombre de questions que vous voulez, mais je vous conseille de juste vous concerter avant. Vous mettez une réponse, et c'est la dernière réponse de toute façon de votre équipe qui comptera. Et c'est la réponse la plus proche qui aura les points. La réponse la plus proche qui aura les points. Donc, la question est, combien de ligues françaises compte la WFTDA? Oui, je suis vivante, mais là j'installe les slides, hein, gros veuve. Voilà, c'est terminé donc. Donc, on a 25, 30. Ok, donc je pense que ce sont les roues libres qui ont la meilleure réponse avec 15. Car la réponse était 14. Oui, c'est étonnant, ce serait attendu à plus. Mais n'oubliez pas qu'on parle de ligue, pas d'équipe. Donc c'est vraiment les ligues. Et donc les ligues concernées sont Brest, Paris. Il y a trois équipes à Paris qui sont en WFTDA. L'Homme, Nantes, Nice, Bordeaux, Caen, Metz, Rennes, Toulouse, Grenoble et Sannois. Voilà. Sannois, c'est les fucking marmottes là où je ne sais plus comment elles s'appellent. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est une question qui suis-je? Donc, encore une fois, je vais vous décrire une personne et vous allez devoir trouver qui est cette personne. C'est peut-être quelque chose de plus facile pour les jeunes, cette question-ci. Alors, on est parti. Je m'appelle Lucas Auchard, mais on me connaît plutôt sous mon surnom. Je suis né le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine. Je suis un vidéaste français et je propose depuis 2011 sur ma chaîne YouTube des vidéos humoristiques, des clips musicaux ainsi que des vidéos réactions. J'ai commencé en faisant principalement des tests de jeux vidéo. Je suis depuis 2019 le cinéaste francophone le plus suivi, dépassant Cyprien, en comptabilisant plus de 7,5 milliards de vues avec 15,1 millions d'abonnés. Bravo les roues libres, les airelles, les spiculoos et les huîtres. Et les zentes, félicitations, tout le monde a trouvé. C'était bien Squeezie. Perso, je savais, j'aurais pas pu répondre. Knappy non plus. Voilà. Alors. La prochaine question est une question qui est-ce avec une photo déformée, donc qui va apparaître ici. On est parti. Et voilà, qui est-ce? Qui est cette personne? Oui, merci.
priori, Chaf a eu compliqué à trouver. On a une bonne réponse, deux bonnes réponses. Ce n'est pas l'âge de glace. Ce n'est pas Sid de l'âge de glace. Donc bravo au Spéculoos et au Roue Libre d'avoir trouvé. Ce n'est pas James Bond ni Monsieur Propre. Ce n'est pas la mascotte de Fallout, ni Marilyn Monroe, ni un poulpe. Et donc, voyons si dans les 8 dernières secondes, vous allez trouver. Ce n'est pas le géant de fer, ni Uncle Ben, ni Wall-E. Ah, et c'était Lisa Simpson, voilà, donc, vous voyez, avec son saxophone. Donc, on a qui? On a les Spéculoos et les Roues Libres qui ont trouvé. Donc, c'était compliqué de fait. Mes excuses. Alors, la prochaine question, c'est une question avec une réponse au plus proche. Donc, attendez, j'organise mes machins. Alors, donc, comme d'hab, vous avez 30 secondes, vous réfléchissez et au bout des 30 secondes, vous devez avoir donné une réponse et on donnera les points à la réponse la plus proche. Combien d'éléments y a-t-il dans le tableau périodique de Mendeleïev, sa version standard. Attention, je précise. Donc, c'est le tableau périodique des éléments, qu'on appelle aussi table de Mendeleïev, qui est la classification périodique des éléments et qui représente tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-entend leurs propriétés chimiques. Voilà. C'est terminé. Et ce sont les spéculoos et les huîtres qui ont les réponses les plus proches avec 103, alors que la réponse était 118. Un truc qui m'a toujours fasciné dans ce tableau, c'est quand on m'a expliqué qu'à la base il a été construit et qu'on a supposé qu'il y avait des éléments qui étaient à certaines places et qu'on les a seulement trouvés quelques années plus tard. Ah oui, donc big up aux roues libres qui se font niquer pour un point parce qu'ils avaient 102. Désolé. Alors, la prochaine question, c'est une question, quelle est cette chanson mystère? Donc attention, préparez-vous. Je suis sur lui, il est sur moi. Ne fais pas attention à lui. Je viens de pleurer mes larmes pendant 3 bonnes années. Tu ne peux pas être en colère contre moi. Parce que si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Ne sois pas en colère une fois que tu vois qu'il le veut. Si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. Ne sois pas en colère une fois que tu vois qu'il le veut. Si tu l'aimais, tu aurais dû mettre une bague dessus. J'ai du gloss sur mes lèvres, un homme sur mes hanches. Le reste, je ne saurais pas chanter avec le temps. Mais je vois que tout le monde a trouvé, donc c'est un petit. Petite dédicace à O'Gara sur ce coup-là. Voilà. Si, si, tout le monde a trouvé. Tout le monde a trouvé. Oui. Bien vu, Christophe Goffert, c'est bien 4 points. Ah, ben maintenant, mes scores sont à jour, mais de la dernière fois, j'ai l'impression. C'est n'importe quoi. Bon.
Alors, on a droit maintenant à une question science avec une nouvelle question au plus proche. Donc, encore une fois, concentrez-vous 30 secondes et vous donnez une réponse et on checkera qui a la réponse la plus proche. La question est, combien de lunes confirmées compte Jupiter? Donc, combien de satellites compte Jupiter? Sachez que Jupiter est la deuxième planète du système solaire ayant le plus grand nombre de satellites naturels observés après Saturne. Comme ça, vous savez. Et voilà. Non, 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 j'ai fait de la merde. Voilà. Et en fait, la réponse était 74. On connaît 79 satellites naturels de Jupiter, dont 74 confirmés et 72 numérotés et 57 nommés. Et donc avec... Oh ben, les huîtres ont la réponse exacte. Félicitations les huîtres. Eh bien, on dit, j'entends dans l'oreillette qu'on me dit les spéculoos, bouh, la honte, 4, le fond de la classe. Désolée pour une fois. Donc, 74, c'était 74 satellites. Mais donc voilà, 74 satellites confirmés et 79 satellites naturels. Donc a priori, les huîtres, vous étiez pratiquement tip-top. Félicitations. Alors, prochaine question. Prochaine question, une question. J'essaie de régler mes trucs pour que ce soit un peu plus joli, mais ça n'a pas l'air de marcher. Bon. Alors, une question Pokémon. Ça, c'est pire que tout cet affichage. Quel est le nom du Pokémon numéro 11? 11, le 11e Pokémon. Essayez de réfléchir. J'ai essayé de faire pas trop simple, mais simple quand même. C'est parce que ton fils est encore trop petit que tu ne le sais pas. Knappy. Oh, c'est bien les Pokémon. Alors, ce n'est pas Aloclas, ni Roucoule, ni Aspicot. Alors, Flamèche, ça n'existe pas. C'est ça la mèche, d'abord. Eh bien, personne n'a trouvé et je suis très déçue parce que je pensais que ça allait être facile. Donc, rappelez-vous, les 9 premiers Pokémon, ce sont les Pokémon de base. Donc, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Puis les 3 Pokémon d'eau, puis les 3 Pokémon de feu. Là, on a déjà 9. Puis après, il y a les Pokémon un peu chiants qu'on trouve sur le premier chemin quand on part du Bourg-Palette. Et c'est Chenipan qui évolue en Crisacier. Numéro 11, c'est Crisacier. Voilà. Alors, est-ce que tu sais baisser un tout petit peu? Mais c'est quoi? Le son, s'il te plaît. Alors, mais non, ce n'est pas Chenipan. Écoutez, je recommence. Donc, on a les 3 Pokémon de base. Fois 2 évolutions à chaque fois, ça fait 9. Donc, le suivant, c'est le 10e. Qui est Chenipan? Mais on a demandé le Pokémon numéro 11, donc son évolution, donc Crisacier. Voilà, j'ai mis ma casquette de dresseur Pokémon exprès. Bon, allez, on continue avec la prochaine question, qui est une question, qui suis-je? Attention. Préparez-vous un indice chez vous. Alors, c'est long celui-là.
Je suis originaire des confins de la Sibérie. Je me présente comme un stradnik, un pèlerin mystique errant, et je me prétends prophète. Si aucune source ecclésiastique n'atteste mon appartenance à un quelconque ordre religieux, j'affirme ma fidélité à l'Église orthodoxe russe. Mais je suis suspectée d'appartenir à une secte. L'hypothèse la plus généralement reconnue est que je suis surtout un aventurier, me présentant comme pèlerin itinérant, doté d'un grand pouvoir de séduction. En 1907, bravo les spéculoos, réputé guérisseur, je suis pour la première fois invité par le couple impérial au chevet de leur fils Alexis, héritier du trône et atteint d'hémophilie. Je gagne en influence, en particulier pendant le conflit mondial. La tsarine et la famille me considèrent comme un guérisseur. Un mystique? Ok. Bon, écoutez, tout le monde a trouvé la bonne réponse, qui était Grigori Efimovitch Rasputin. Félicitations à tout le monde. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Je vois le live parce que j'ai mis mon deuxième écran. C'est ça qui m'a fait perdre tout ce temps là. Ok, armure, armure, armure. Ok. Est-ce que tout le monde est en train de chanter la chanson de Rasputin? Ok. Ah. On va dire que oui, on a... Oui. Donc là, je répondais à une question dans mon oreillette, excusez-moi. Donc, la prochaine question est une question cinéma. Cinéma. Alors, quel film a été le premier non-anglophone à recevoir l'Oscar du meilleur film? Ah oui, et je vais mettre... Ah mais non, c'est un peu trop tard. Ce n'est pas les 400 coups. Donc, on a une bonne réponse pour les Ents, pour les roues libres, pour les huîtres, et pour les RL, et pour les spéculoos. Ben, à peu près tout le monde, en fait. Donc, à la base, la réponse que tout le monde a donnée n'est pas du tout la réponse que j'attendais. En fait, la réponse que je cherchais, c'était Parasite. Donc, c'est le film qui a gagné le prix cette année-ci ou l'année dernière, qui est un film coréen. Et en fait, c'est le premier film non anglophone. Et c'est pas... C'est à part The Artist, parce qu'en fait, The Artist est un film muet. Donc, il n'est pas vraiment considéré comme anglophone ou pas. Donc, c'est pour ça. Mais on accepte The Artist aussi. Donc, voilà. Félicitations à tout le monde pour cette réponse. Alors, on peut faire un topo sur les scores. En effet, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'ils sont à jour chez moi? On a combien pour les spéculoos? Ah, ben alors non, c'est pas bon. Oui, merci. Alors, est-ce que vous voulez bien vous mettre à jour? C'est quasiment les mêmes points, plus 10, me dit-on. Ah, voilà ce que j'ai. Je vais forcer le refresh, mais ça ne marche pas. Mais je ne sais pas pourquoi, écoute... C'est des trucs d'informaticien, moi je ne sais pas, hein, ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Donc, bravo aux spéculoos qui sont encore en tête, attention. Les spéculoos avec 47 points, les huîtres et les roues libres
qui se tiennent avec 38 points, les RL avec 35 points et les Ents avec 34 points. Félicitations. Oui, les huîtres qui montent bien dans le classement. Bravo les huîtres. Alors, il n'y aura qu'une seule bonne réponse et l'occasion de se rattraper pour la prochaine question qui est une question histoire. Alors, pourquoi? Attendez, parce qu'il y a mon truc qui s'affiche. Hop. Alors, c'est une question histoire et c'est une question au plus proche. Donc, une seule réponse et on prendra juste la question la plus proche. La question est... Quel pourcentage de la chasse... Non, excusez-moi, je recommence. Quel pourcentage de l'alimentation des Celtes était occupé par des produits de la chasse? Donc, quel pourcentage de nourriture des Celtes était chassé? Apparemment, je ne sais plus parler. Et c'est fini. Et donc la réponse était 1%. Apparemment, l'image d'Obélix engloutissant les sangliers par dizaines est un cliché. Les Celtes étaient consommateurs surtout de céréales cultivées, du lait, du fromage, du cheval et du chien. Et donc, malheureusement, on ne creuse pas l'écart avec les spéculoos, vu que ce sont les spéculoos qui ont répondu au plus proche avec 10%. Donc les RL suivaient avec 12%, on avait 25% pour les roues libres, 30% pour les Ents et 45% pour les huîtres. Mais c'était vraiment très peu, donc 1% c'était la réponse. Ça m'a étonnée aussi, c'est pour ça que j'ai mis la question. C'était la question 21, on passe à la question 22 qui est une question entre people et littérature. Alors, la question est, quel est le prénom de la sœur d'Amélie Nothomb? Sachant que, si vous connaissez un petit peu l'autrice, vous connaissez le nom de sa petite sœur, mais si vous avez lu certains de ses livres, elle le cite plusieurs fois. Bien joué les Ents. Les Ents. Félicitations les Ents. Et c'est terminé. Voyons. Qui a bien répondu? Ah, c'est pas bon, les spéculoos, c'est pas Charlotte. Et donc, bonne réponse pour les Ents, les huîtres, les roues libres et les RL, et pas pour les spéculoos, pour une fois. Et la réponse était Juliette. Juliette Nothomb, qui est présente dans plusieurs des romans de sa sœur et qui est chroniqueuse littéraire et culinaire pour les hebdomadaires belges Le Vif Weekend et Télépro. Alors, la prochaine question, c'est une question audio. Donc, montez le son, ça va être une question blind test. Nous allons voir si vous reconnaissez cette chanson. Si j'arrive à cliquer sur le son. Non, j'ai été chercher, je n'ai pas d'abonnement à Sciences et Vie Junior, j'ai juste été chercher toutes les questions à part. Alors, écoutez cette chanson et dites-moi, comme pour les questions chansons, vous avez 2 points pour l'interprète et 2 points pour le nom de la chanson. Attention, c'est parti! Come on. Bravo les roues.
c'est fini. La réponse était Praise You de Pat Boysen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai été voir en préparant ce quiz le clip de Praise You. C'est ça vaut la peine. C'est en gros, c'est des gens qui font une espèce de chorégraphie dans la rue, mais ils sont juste tout nuls. Et ils se lèvent comme ça, et ça a l'air vraiment tout naze, et c'est super mal filmé. Et à la base, MTV n'a pas voulu avoir le clip. Mais ils l'ont quand même pris, et le clip a fini par avoir des prix au MTV Music Awards, ou des trucs comme ça. C'était assez drôle. 3 awards au MTV Awards de 1999. Et apparemment, pendant qu'ils étaient en train de filmer, il y avait quelqu'un qui courait tout autour de tout le public qui était là, vu que c'était un petit peu filmé en plein milieu de la rue, pour que les gens signent et donnent leur accord d'être sur la caméra, sur le film, pardon. Alors, tout le monde sauve les Ents, me dit-on. Question suivante. C'est une question derby, une nouvelle question derby. La question est, lors de la Continental Cup européenne de 2019, bon la seule qui a eu lieu, quelle équipe a remporté la finale contre Anvers? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, ou si vous avez suivi. Mais lors de la Continental Cup, Anvers est entré, a participé à la Continental Cup, je pense, en battant plein d'équipes juste un petit peu avant pour monter dans les classements. Et je pense même qu'ils ont pu y aller parce qu'il y a eu des désistements ou des abandons. Et au final, ils ont fini en demi-finale, donc, contre l'équipe qu'on cherche maintenant. Et elles ont permis en demi-finale. Et c'est terminé, vous pouvez dire bonjour à Arnaud. Et donc, la réponse était Dock City Rollers. Donc, félicitations aux roues libres, aux huîtres et aux spéculoos. Donc, elles ont donc perdu Anvers contre Dock City. Donc, l'équipe de Göteborg. En Suède, ils ont perdu 166 à 210. On te dit bonjour Arnaud. Ah bonjour. Il dit bonjour. Comme je n'avais pas beaucoup de réseau en haut, j'ai dû descendre en bas et donc je le prive un petit peu de pouvoir faire quoi que ce soit en bas. Désolée. Alors, la prochaine question est une question médicale. La prochaine question est... C'est parce que tu passes derrière. Je ne peux pas manger si, des framboises. Si, tu peux manger tes framboises. De quoi souffre-t-on quand on est atteint d'halitose? Plus de la gueule. Quoi? Et tais-toi. Ah, c'est vraiment... J'espère que vous n'avez pas entendu, du coup, Arnaud qui donnait la bonne réponse. Fort, hein? Bon, les spéculoos, vous avez raison. J'espère que c'est parce que vous n'avez pas entendu Arnaud. Bravo les érelles. Bravo les huîtres. Ah non. Et donc, la réponse était la mauvaise haleine. Et donc, sachez que pendant que je préparais ce quiz, j'avais donc la page Wikipédia de l'halitose ouverte devant moi quand Arnaud est descendu et qui m'a fait « Mais quoi, tu as un problème? Tu ne sens pas bon de la bouche? C'est pour ça que tu vas chercher. » Voilà. Donc, voilà. Ah, donc les spéculoos, non, en plus d'être ceux au top, font les malins. Donc ils disent non, on savait bien avant que Arnaud nous le dise, on a été plus rapide. Voilà. Donc oui, c'est bien les spéculoos, vous avez la bonne réponse. Alors, prochaine question.
Alors, je vais passer le slide juste avant de donner la question, juste après de donner la question, parce que sinon ça va vous aider. C'est une question jeu vidéo. Dans quel jeu apparaît The Umbrella Corporation? Umbrella Corporation, qui est la première entreprise mondiale dans le secteur médical et cosmétique. Et on retrouve ces produits dans plus de la moitié des foyers européens. Mais d'ailleurs, derrière ce visage d'entreprise bienveillante et omniprésente dans la vie quotidienne, je développe de manière clandestine des armes biologiques génétiquement modifiées. Et je n'ai pas lancé mon compteur, en fait. Donc, on va dire qu'il reste 10 secondes. Si, c'est juste qu'il est fini, pardon. Tout le monde a trouvé, c'était Resident Evil. Donc, pas Assassin's Creed, mais Resident Evil. Félicitations, tout le monde. Alors, la prochaine question est une question derby. On m'a demandé de rajouter des questions derby parce qu'on m'a dit qu'au fur et à mesure, on allait oublier comment ça se jouait et tout ce qui avait rapport au derby. Donc voilà. C'est une question au plus proche. Donc concertez-vous. Sur un track, à l'endroit le plus large, quelle est la largeur en centimètres? Donc, la largeur au plus large, donc c'est a priori la sortie de track. Donc, le track qui s'élargit quand on fait le track, on le fait un peu décalé pour que le rayon soit un peu plus large. C'est fini. Et la réponse était 457 cm. Et ce sont les spéculoos et les huîtres qui ont raison. Pourquoi? Les huîtres étaient... Oui, mais les huîtres aussi. Ah non! Ah non, pardon, j'ai confondu deux. Donc c'était 457 cm. Désolée, les huîtres avec vos 357, pardon. Donc les spéculoos, vous aviez tout à fait raison. Les entes n'étaient vraiment pas loin. Désolée. Oui, les huîtres n'étaient pas loin avant de changer, c'est vrai. Alors, la prochaine question, c'est une question nature. De quoi a-t-on peur quand on souffre d'ophiophobie? L'ophiophobie. Donc, a priori, c'est la peur de quelque chose de naturel, vu que c'est une question nature. Non, ce n'est pas la peur des œufs, non. Ah, les érelles ont la bonne réponse. Félicitations, les érelles. Les roues libres aussi, les huîtres et les spéculoos. Ce n'est pas la peur des gallinacés, c'est... Ah, sur le fil, les entes. Oui, non, les spéculoos, en fait, c'est pas bon, c'est trop large. Ce n'est pas la peur des reptiles, c'est la peur des serpents. Et apparemment, l'ophiophobie est une phobie spécifique à la peur vraiment des serpents. Et on parle aussi d'herpétophobie dans le cas de la peur plus générale concernant l'ensemble des reptiles. Donc comme ça, les spéculoos, vous avez le nom de votre peur. Il faut savoir que près d'un tiers des hommes sont ophiodiophobiques. Ce qui fait de cette phobie la plus courante répertoriée.
Oh là. Il paraît, hein, il paraît. Ma source, ça reste Wikipédia, hein. Bon, voilà. Prochaine question. C'est une question parole de chanson. Attention. Soyez prêts pour cette performance. Si proche, peu importe la distance, ça ne pouvait pas être beaucoup plus du cœur. Faisant toujours confiance à qui nous sommes, et rien d'autre n'a d'importance. Je ne me suis jamais ouvert de cette façon. La vie est à nous la vivons à notre façon. Tous ces mots, je ne le dis pas seulement, et rien d'autre n'a d'importance. La confiance que je cherche et que je trouve en toi, chaque jour pour nous quelque chose de nouveau. Esprit ouvert pour une version, une vision différente. Et rien d'autre n'a d'importance. Et tout le monde a trouvé, donc c'est très bien. Félicitations à tout le monde. Donc, Nothing Else Matters de Metallica, qui est une de mes chansons préférées à chanter au karaoké, du coup, avec Chef, ou avec Toxicity également et Bohemian Rhapsody. Vous savez. Prochaine question, une question, un indice chez vous. Au niveau de la modération, ça va poursuivre pour les points parce que j'avance un petit peu sans vous demander. Nickel? Ok, parfait, merci beaucoup. Très bien. On va d'ailleurs leur dire bonjour aux refs. Coucou les refs, faites coucou à la caméra. Voilà. Regardez ces gens, comment ils sont motivés de vous donner des points ou pas. Hop, on va leur dire au revoir. Allez, prochaine question. Donc, question, qui suis-je? Qui suis-je? Oh, attendez, je mets le chrono. Je vis en Amérique. Pourquoi mon chrono ne s'affiche pas? Ah, voilà. Je vis en Amérique avec mon mari et mes trois enfants. Mon nom de jeune fille est Bouvier. J'ai deux sœurs jumelles. Je suis femme au foyer et j'ai occasionnellement eu des emplois temporaires. Technicienne nucléaire, vendeuse de bretzel, agent immobilier ou vendeuse de pâtisserie érotique. Mon voisin s'appelle Ned, mon fils fait du skateboard et ma fille joue du saxophone. Qui suis-je? C'est assez facile. Bravo les huîtres. Bravo les airelles. Bravo les spéculoos. Bravo les Ents et bravo les roues libres. Tout le monde a trouvé. Félicitations. Alors, la prochaine question est une question personnage mystère. On est à la question 30. Du coup, oh, je sais pas. Oui, mais. Je pense que non. On va demander. Alors, on me pose la question dans l'oreillette pour savoir si vous voulez qu'on continue ou pas, en sachant qu'il va bientôt être 21h30. On est à la question 30. Perso, j'ai 50 questions de prêtes, si vous le souhaitez. Donc, on peut soit s'arrêter à 30, on peut s'arrêter à 40, on peut s'arrêter à 50. Donnez-nous votre avis. Alors, oui, à quoi? Tu veux des carottes ou du beefsteak? Oui. Merci Sam de faire attention au couvre-feu, c'est gentil. 40, ok.
continue. Ouais, ok. Bon. On voit jusqu'à 35 heures. Bon, on va encore en faire 5. On verra si vous êtes encore chaud pour continuer pour 5 de plus. Alors, la question personnage mystère. Attention. Qui est-ce? Qui est cette personne? Peut-être un petit peu compliqué. Hein? Ses yeux sont plus ou moins ici. Alors, Chaff me dit qu'il a trouvé tout de suite, voilà. Ce n'est pas Hugh Grant ni David Jones. Je ne sais pas qui est David Jones, mais ce n'est pas lui ou elle. Les huîtres ont trouvé. Félicitations, les huîtres. Les RL, ce n'est pas bon. Ce n'est pas Danny Boone. Non, ce n'est pas la reine d'Angleterre. Et donc... Allez, les spéculoos sont trouvés sur le fil. Fouet les RL, c'était un peu tard, hein, désolé. Donc, on a... C'est pas Gibbs. On a qui? Donc, on a les huîtres. Ben, les huîtres, vous aviez trouvé. Pourquoi est-ce que vous avez continué à donner des réponses? Les huîtres et les spéculoos qui ont trouvé Lady Diana. Voilà, c'était elle. Elle est jolie, hein? Ah oui, voilà, c'était elle. Alors, prochaine question, c'est une question histoire, culture. Alors, selon la mythologie égyptienne, quelle divinité règne sur le royaume des morts? J'espère que j'ai la bonne réponse sur ma feuille parce que tout le monde répond quelque chose qui n'est pas la réponse que j'ai sur ma feuille. Bravo les Ents et les huîtres. Bravo les huîtres. Ah non. Les roues libres et les RL. Juste les spéculoos qui ne l'ont pas. Donc c'était Osiris, tué par son frère Seth, mais ramené à la vie par son épouse Iris. Osiris règne depuis sa résurrection sur le royaume des morts. Il est le juge suprême de l'âme des défunts, amené devant lui par Anubis, le patron des embaumeurs. Donc voilà, Anubis, il amène les morts, les âmes, les embaumeurs. Et c'est... Osiris qui règne sur son royaume. Écoute, les gars, je viens de vous lire la description. Arrêtez de réclamer, ce n'est pas lui. Votre pote Anubis, là, c'est le mec qui amène l'âme des défunts. Voilà. Et après, Osiris, c'est lui qui règne dessus. Vous n'avez pas déjà assez de points, là. C'est quoi ce histoire? Alors, prochaine question. C'est une question cinéma. Alors, question cinéma. Dans quel film voit-on se dérouler l'action au Nakatomi Plaza? Le Nakatomi Plaza...
Bravo les Entes et bravo les RL. Bravo les spéculoos. Et donc c'était bien Die Hard, piège de cristal, et pas piège de cristal, comme disaient les spéculoos. Donc apparemment, il n'y a que les roues libres qui n'ont pas réussi à trouver cette question. Donc les roues libres décrochent apparemment. Donc les huîtres reviennent à 6 points des spéculoos, me dit-on. C'est un gros match. Donc, à la veille de Noël en 1988, un groupe de terroristes, leadé par Hans Gruber, qui est le professeur Rogue, prennent en otage les employés du Nakatomi Plaza pendant leur fête de Noël. Et c'est là qu'arrive John McClane, qui à l'époque, je pense, avait encore des cheveux. Ouf, non, ça. Alors, la question suivante est une question nature. Comment appelle-t-on l'animal qui est issu d'un mâle lion et d'une tigresse? Ça n'a pas l'air très beau comme ça, c'est un petit peu flasque, on a l'impression. Les huîtres et les bonnes réponses ont une bonne réponse. Les RL. Non, les roues libres, c'est quoi cette réponse? Non. Et donc, la réponse était un ligre. Et donc, le ligre, c'est un félin hybride né de l'union d'une tigresse et d'un lion mâle. Attention que l'union d'une lionne et d'un tigre mâle, ça donne un tigron ou un tiglon, ce qui est un peu débile. Donc ce sont des résultats de croisements et on ne rencontre jamais d'hybrides félins de ce type dans la nature du fait de l'éloignement géographique dans de nombreux cas, ainsi que des périodes de reproduction différentes et surtout du comportement différent de chaque espèce vis-à-vis de l'autre. Le mâle ligre, contrairement à la femelle, est stérile. C'est pour ça que ce ne sont pas vraiment des espèces qui durent. Du coup, alors, cette question est une question audio. Alors, vous allez devoir reconnaître la personne qui parle dans cet extrait audio. Pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est une personne qui est interviewée. Donc, si vous entendez quelqu'un avec un accent allemand, c'est pas cette personne-là qu'il faut deviner, c'est l'autre. Vous pouvez reconnaître sa voix. Si vous connaissez la personne, elle est relativement reconnaissable comme voix. Sinon, essayez d'un peu écouter ce qui se dit. Et c'est parti. I have done a bit of DJ. Voilà. I think DJ purists would probably hate me because I only DJ with CDs. I don't know if anybody can hate you, Mr. Woods, with your eyes and your American voice. Thank you. But I haven't really graduated to vinyl yet. But yeah, I've done a fair bit of DJing. Do you scratch? No. You mix music? Yes, I mix music live, yes. So, zuvor though. On page 720 of The Lord of the Rings, there is a quote from Frodo. He says, "In a world filled with mirth and magic, you lose time in yourself." You agree with this comment? I will repeat it for you. Please. In a world, you can hear me. You can hear me. Yes. Yes. Yep. In a world filled with mirth and magic, you lose time in yourself. You agree with this statement from Frodo? You lose time within yourself. Yeah, that's interesting. Yeah. I think that's exactly what Frodo goes through. Donc désolé, because ultimately, apparemment personne. By the end of Frodo's personne journey, a trouvé, c'était un petit peu. He doesn't it's have. It's a bad question. Donc c'était Elijah Wood
Donc voilà, donc Elijah Wood a été mon gros crush quand j'étais adolescente et sa voix est assez reconnaissable. Donc voilà. Mais on entendait quand même au début de l'interview qu'il disait Mr. Woods et on parle quand même de Frodo, donc c'était quelques indices. Donc sinon, ce n'était pas Michelle Woods, désolé. Et apparemment, sa voix ressemblerait à celle de Sacha Baron Cohen, vu que on a les huîtres et on a les huîtres qui ont proposé ça. C'était pas Avicii ni David Guetta. Alors, la prochaine question est une question derby. C'est une question, une seule. Donc, vous donnez autant de réponses que vous voulez, mais seulement la dernière sera prise en compte. Donc, la question est, combien de champs WFTDA a remporté l'équipe de Gotham? Donc, l'équipe de Gotham, qui est l'équipe de New York, qui est la plus... Combien de champs ont remporté l'équipe de Gotham? Et c'est terminé. La réponse était 5. Elles ont remporté les champs en 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014. Donc, égalité entre les Ents, les Erelles et les Huîtres. Non, pas les Erelles, pardon. Les Ents, les Roux-Livres et les Huîtres qui ont toutes répondu 4. Les Spéculos, c'était quand même un petit peu loin. Hein. 10, c'est beaucoup quand même. Oui, mais ça va, on en a une dans 3 questions. Oui. Je propose qu'on continue jusqu'à la question 40. On vient de finir la question 36. Est-ce que ça vous va? Bon, Christophe va aller jusqu'à la 41. Donc on va aller à la 41. Alors, la prochaine question est une question personnage déformé. Attention, vous êtes prêts? Donc ça, c'est toujours Lady Di, hein, on est d'accord. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ah, je vois que les Ents doivent partir. Du coup, on va s'arrêter là. Ce n'est pas Pingu ni Dark Vador. Ni Michael Jackson. Alors, c'est un personnage qui est fort d'actualité, comme indice. C'est une personne, c'est une demoiselle. Qui est né le même jour que Knappy, sachez-le. Écoutez mes indices, hein, c'est Elvis Presley, Frankenstein. Non, c'est pas Biden ni Donald Trump. Les gars, non. C'est pas Dirupo ni Obama. Et non, c'est pas Kamala Harris. Ah, personne n'a trouvé. Greta. C'était Greta. Désolée. Bon, on va s'arrêter là parce que les Ents doivent partir. Il y a une question de couvre-feu. Du coup, où en sont les points? Ça va, je vais essayer de juste voir s'il y a moyen d'afficher
j'essaye de voir. Non, j'essaye de l'afficher. Problème technique, hein? Hop. Désolé, hein, je cherchais. Bon, ça ne fonctionne pas, ces conneries. Donc, on a 79 pour les huîtres, c'est ça? 82 pour les spéculoos. 82 pour les spéculoos. 79 pour les huîtres. 67 pour les érelles et les roues libres. Et 62 pour les entes. Félicitations, les spéculoos, une nouvelle fois. On n'a pas réussi à vous détrôner. Et félicitations à tout le monde pour votre participation. C'était... Merci pour votre patience. Désolée d'avoir commencé en retard. Voilà. Et les spéculoos, vous avez partagé, vous avez gagné comme cadeau le fait d'avoir partagé un bon moment ensemble. Donc vous pouvez dire au revoir aux refs qui sont là. Hop, au revoir les refs. On leur dit merci d'avoir fait tout ça pour nous. Voilà, merci, merci. Le cadeau, c'est d'avoir partagé un bon moment ensemble. Félicitations. J'espère que vous apprécierez et que vous pourrez le partager entre vous, bande de rageux, là. Allez. Au revoir tout le monde et bisous.